D'ailleurs, et j'ai décidé de vous parler de Leïla et ses frères. Et vraiment, 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 ce film est un chef-d'œuvre. Allez le voir. C'est le même réalisateur qui a fait La Loi de Téhéran, qui est un film incroyable, un thriller sur ce qui se passe sur le trafic de drogue qui est en Iran. Alors, c'est pas inspiré d'une histoire vraie, mais c'est tout comme en fait. Et c'est tellement bien écrit, réalisé, joué. Et là, ce film, en fait, il est incroyable. Leïla et ses frères, parce que c'est le même réalisateur qui confirme son talent. Vraiment, c'est un film digne du parrain. Vraiment, il n'y a pas d'exagération dans ce que je dis, parce que en fait, ça raconte la pauvreté de ce qui se passe en Iran. Et en fait, si vous voulez, ils ont reçu le père de Leïla, de sa famille, ça raconte l'histoire de la famille de Leïla en Iran, à Téhéran, je crois. Et en fait, son père a reçu une énorme somme d'argent. Et il voulait l'investir dans une boutique pour que sa famille puisse bien vivre et qu'ils puissent bien vivre tous ensemble. Et malheureusement, en fait, ils se sont fait arnaquer. Ils ont perdu cet argent-là. Et du coup, en fait, ils sont livrés à eux-mêmes dans un Iran un peu à la... On dirait, en fait, l'Iran, par rapport à la situation dans laquelle ils vivent, j'arrive pas à vous expliquer. On dirait un Bangkok dangerous, en fait, l'Iran. Et du coup, ils veulent tout faire pour que... Comment ça s'appelle? Pour qu'ils puissent s'en sortir, en fait. Et Leïla, en fait, justement, pourquoi Leïla et ses frères, c'est que à chaque fois, ils trouvent des moyens d'essayer de s'en sortir. La réalisation, elle est incroyable. Vraiment, ce film, c'est une merveille. Je pense, et je peux même m'avancer, j'ai ma petite idée des meilleurs films de l'année, et si je devais faire un top 3, vous pourrez être surpris, mais... Le premier, ah, c'est dur. Hein. C'est dur. Je pense que le meilleur film de l'année pour moi, c'est Leïla et ses frères ou Decision to Live. C'est un énorme duel entre les deux. Mais vraiment, Leïla et ses frères, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un énorme film. Il est incroyable. Bon, c'est en VO. Mais on est touché par cette famille, cette capacité à vouloir essayer de s'en sortir. La réalisation, la mise en scène, c'est vraiment incroyable. Vraiment, pour moi, par rapport à ça, c'est le meilleur film de l'année. Même si, voilà, Decision to Live est excellent aussi. Et puis, le prochain film que je vais vous parler, qui est juste exceptionnel, est pour vous convaincre, si mes dires ne vous suffisent pas, je vais tout simplement vous montrer. Et vous allez voir par vous-même. C'est un énorme film, incroyable, vraiment. Et ça confirme, le réalisateur, il s'appelle Saïd, si je ne dis pas bêtise. Je ne sais pas si ça se dit de la même manière en arabe ou en français qu'en iranien. C'est un film incroyable, vraiment. Les acteurs sont incroyables aussi. En fait, Leïla, ce qui est intéressant, c'est que Leïla a fait tout pour que sa famille s'en sorte. Et c'est du gassin, c'est du chant un Iran immense, aussi immense que miséreux. En fait, il y a beaucoup de poésie que je voulais. Ça, c'est le père. C'est sublime, c'est incroyable, c'est bien réalisé, bien écrit.
Je dis franchement, sans prétention, ça fait penser au parrain de Coppola. Ce plan ne se ressemble pas à l'histoire, elle est incroyable. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films de l'année, vraiment. Attendez, je vais retenir son nom, parce que son nom, au réalisateur. Saïd Roustaï, il s'appelle. Très très fort. Vraiment, en tout cas, c'est un réalisateur à surveiller. Parce que après la loi de Téhéran et ce film-là, et je suis assez énervé et en colère qu'un film comme ça, il n'y ait pas plus de résonance, qu'on monte pas plus des films comme ça, parce que le film, il est incroyable. Et quand on est fan de cinéma et qu'on aime aussi ce qui se passe en la culture iranienne ou ce qui arrive à ce pays, et ben, on suit l'évolution de ce pays à travers ces films. Mais au-delà même de ça, c'est ce qui est fascinant, c'est l'écriture, c'est toute la poésie, c'est la mise en scène. C'est ce film, il est fou, quoi. Il y a des films comme ça où... En fait, la première fois que j'ai vu La Loi de Téhéran, au vu des critiques, je m'attendais à... Parce que ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Donc, je suis allé voir, et quand j'ai vu, j'ai pris une grande gifle comme ça, à 360 degrés dans les deux sens. Et ça, c'était très, 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 très fort. Vraiment, ça, c'était magnifique. Et ce film-là, je trouve que c'est aussi bien, voire meilleur, parce qu'en en fait, on s'attend pas à ce que ça soit de cette qualité-là, que ce soit aussi incroyable, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, qui est magnifique. C'est un très beau film. Vraiment, je vous le recommande à 100%. Je pense que peut-être plus de gens iront voir le film, et plus le film aura sa place ou de ça en plus. Et voilà, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Et puis voilà quoi. Et non, vraiment, je vous recommande à 100%. C'est un très 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 bon film. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, me dire ce que vous avez pensé si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, bah, allez le voir. N'hésitez pas, en tout cas, c'est confirmé à 100%. Vraiment, je vous ai vérifié, il n'y a aucune. Vous savez, parfois, il y a des gens, ils exagèrent comme Jordan Peele en disant ouais, c'est Alfred Hitchcock. Là, quand je dis que ce que fait notre ami Saïd Rousti, c'est digne du parrain. Vraiment, hein, il n'y a aucune métaphore dans ce que je dis, c'est vraiment au premier degré. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et n'hésitez pas à aller voir les films comme ça, parce que les films comme ça, il faut aller les voir pour qu'ils restent plus longtemps au cinéma, pour qu'on ait plus de films de cette qualité-là. Voilà, sur ce, je vous laisse. Allez, ciao tout le monde.